forces de défense et sécurité, officiers, sous-officiers, militaires du rang, membres du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR, peuple du Burkina Faso, face aux graves périls qu'encourait le vivre ensemble des populations des tréfonds du pays des hommes intègres, face au risque de perte totale de notre chère patrie, toutes les composantes des forces de défense et sécurité du Burkina Faso ont décidé de prendre leurs responsabilités sans aucun calcul politique et par devoir patriotique afin de sauver la nation. Votre action commune du 24 janvier 2022, avec à sa tête le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandago Daliba, porte désormais l'espoir et la destinée de votre pays. L'avenir de plusieurs milliers de familles, des villes et campagnes à travers le territoire national repose sur le succès éclatant de la transition enclenchée depuis plusieurs mois. Chers membres du MPSR, chers FTS, le président de la transition, militaire de terrain, homme de dialogue et patriote de premier rang, a plus que besoin de votre esprit d'engagement et de combativité sans faille. Chers membres du MPSR, chers FDS, la transition en cours ne sera une réussite que si tous, ensemble, vous refusez de servir les intérêts égoïstes de personnes qui ne comprendront jamais la réalité de votre lutte et de votre engagement et qui sont toujours prêts au beau discours pour diviser et s'imposer au mépris de toutes ces familles martyres du terrorisme. Tous ensemble, avec les forces vives de la nation, nous réussirons notre mission commune pour le bonheur des fils du pays des hommes intègres. Vive le Burkina Faso, vive le MPSR, pour la patrie, nous vaincrons.